Voilà, soyez aussi bien accueillis dans l'Église que vous connaissez déjà. Et nous sommes rassemblés avec vos parents, les grands-parents, les parrains et la paroisse, et aussi avec les trois autres groupes qui ont déjà fait leur première communion. Je demande à tout le monde de couper les téléphones portables. Bitte alle Handys ausschalten. Pendant cette Eucharistie, nous allons voir quelques signes. Le premier, c'est votre poisson. C'est un signe de Jésus. Un autre signe, c'est la croix. Et nous allons commencer le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, notre ami du ciel, soit avec vous. Et avec votre esprit. Après de nombreux mois de préparation et d'attente, c'est enfin le jour de votre première communion. C'est avec joie que vous vous êtes rendus à l'Église aujourd'hui pour cette célébration. Ces nombreux jours et semaines ont été passionnants et colorés, aussi colorés que les couleurs de l'arc-en-ciel qui nous a accompagnés tout au long de cette période. C'est le motif de notre catéchèse. Et il était dans notre Église pendant toute la durée de la préparation. Vous étiez en chemin ensemble, avec vos camarades de classe, monsieur le curé et les catéchistes, avec vos parents et frères et sœurs. Et le troisième signe, c'est l'arc-en-ciel que nous connaissons, mais que nous ne savons jamais prendre. C'est seulement à regarder, à nous étonner. C'est aussi celui qui nous a accompagnés pendant toutes ces semaines. Comme un étranger, au début, il est devenu peu à peu un ami de confiance. Il a été votre compagnon jusque maintenant et j'espère pour toute votre vie. C'est lui qui nous accueille, qui nous invite à cette célébration, c'est Jésus le Christ. Le lien et l'amitié avec Jésus vous embrasse comme l'arc-en-ciel. Il s'agit de cette expérience la plus importante que vous avez vécue et que nous pouvons vivre par la prière et par l'Eucharistie. Levin, Ethan et Noah. Au nom de tous les enfants de première communion, je vous souhaite de tout cœur la bienvenue. Nous sommes heureux que vous célébrez cette messe festive avec nous. Ensemble avec nos parents, grands-parents, parrains et marraines, frères et sœurs, nous voulions prier et chanter et remercier Dieu pour ce beau jour. Lors de nombreuses rencontres en groupe, nous avons préparé notre première communion. Maintenant, le grand jour est arrivé. Et tous ensemble, nous prions le texte sur l'écran. Qui n'a jamais vu dans les cieux l'arc multicolore et glorieux. Il projette sur l'écran du ciel les sept couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Comme un symbole officiel, l'arc-en-ciel déploie son ruban, enveloppant dans son élan la terre, la mer, le firmament et tous les êtres petits et grands, Julian, Knox et Morancia. Dieu, avec l'arc-en-ciel, tu as donné un signe de ton amour pour les hommes, mais nous, nous oublions souvent de poser des signes d'amitié pour les autres. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, les couleurs de l'arc-en-ciel
nous disent que nous sommes tous différents, mais souvent nous parvenons pas à accepter les autres tels qu'ils sont. Christ, prends pitié de nous. Christ, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, la lumière de l'arc-en-ciel nous rappelle que tu nous as donné ta lumière. Malheureusement, nous oublions souvent de laisser ta lumière briller pour les autres. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu enlève entre chacun et chacune de nous tout ce qui est sombre, surtout le mal du non-amour, qu'il nous pardonne et nous conduise à sa vie éternelle. Dieu est une fête aujourd'hui. Prions dans notre cœur. Dieu de bonté et d'amour, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, nous, les humains, sommes tous et toutes différents. Parfois cela nous rend heureux, parfois cela nous pousse à nous disputer. Ouvre alors nos cœurs et nos yeux, montre-nous combien chacun et chacune de nous est précieux. Sois donc avec nous dans cette célébration, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prenons place pour la parole de Dieu. Pendant la préparation à la communion, vous avez entendu et discuté d'une histoire de Jésus tirée de la Bible, l'histoire des disciples d'Emmaüs. Nous allons maintenant la regarder et la réécouter ensemble. Saint Luc, dans son évangile, raconte, après la mort de Jésus, deux de ses amis quittaient Jérusalem pour retourner à Emmaüs, d'où ils venaient. Ils étaient tristes et déprimés. Il disait, nous attendions tellement de Jésus, on espérait qu'il allait nous libérer. Et maintenant, ils l'ont crucifié, et c'est la fin de tout. Pendant qu'ils parlaient ainsi, Jésus vint à eux, mais eux ne le reconnaissaient pas. Il leur demandait, de quoi parlez-vous? Il disait, ne sais-tu pas ce qui est arrivé à Jérusalem ces derniers jours? Ils ont crucifié Jésus de Nazareth et nous pensions qu'il était notre sauveur. Alors Jésus commença à leur expliquer toute l'histoire. Il fallait que tout s'accomplisse pour que tous les hommes soient délivrés du péché et de la mort. Et il expliquait cela à partir des Écritures. Le soir venu, ils arrivèrent au village d'Emmaüs.
Ils entraient dans une maison. Jésus fait semblant de continuer. Ils lui dirent alors, « Seigneur, reste avec nous, il commence à faire nuit. » Et Jésus est donc entré avec eux dans la maison. Dans la salle, il préparait le repas du soir. Puis, à table, Jésus prit le pain, a remercié Dieu, a rompu le pain en morceaux et l'a partagé. À ce moment-là, les disciples ont compris, c'est Jésus. Il rompt le pain avec nous comme il l'a fait lors de la dernière scène. Quand ils l'ont reconnu, ils ne pouvaient plus le voir avec les yeux, mais ils étaient heureux et disaient, « Ne l'avons-nous pas déjà aimé en chemin ?» quand il nous expliquait tout à partir des Écritures. Plein de joie, il se mettait immédiatement en route pour retourner à Jérusalem. Ils sont allés voir leurs amis et leur ont dit, « Jésus est vivant. Il n'est pas mort comme on le pensait. Il est ressuscité des morts. » Et la nouvelle s'est répandue. Avec les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, nous apportons à Jésus nos prières. Dieu de bonté, comme un arc-en-ciel s'étend au-dessus de nous, ainsi tu es au-dessus de nous, insaisissable et pourtant tout proche de nous, en nous. C'est pourquoi nous venons à toi et te demandons. Pour tous ceux qui ne peuvent plus aimer, montre-leur le rouge vif de la vie pour qu'ils puissent à nouveau entendre la voix de leur cœur. Allume une bougie pour la vie. Allume une bougie aujourd'hui. Pour tous ceux qui ont froid au profond d'eux-mêmes, laisse-les ressentir la sécurité comme la chaleur de l'orange d'un beau coucher de soleil. Allume une bougie pour la vie. Allume une bougie. Pour tous ceux dont le cœur est sombre, donne-leur du jaune du soleil afin que la lumière revienne en eux. Allume une bougie pour la vie. Allume une bougie aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont tristes, laisse pousser en eux le ver de l'espoir. Allume une bougie pour la vie. Allume une bougie aujourd'hui. Pour tous ceux qui appartiennent à notre famille et à notre paroisse, donne-nous tout le bleu clair de la force et de l'amour, afin que nous puissions être ensemble dans la joie et l'allégresse.
Allume une bougie pour la vie. Allume une bougie aujourd'hui. Pour tous ceux qui doutent, montre-leur le bleu constant du ciel, afin qu'ils puissent à nouveau avoir confiance en toi. Allume une bougie pour la vie. Allume une bougie aujourd'hui. Pour tous ceux qui ont pris un mauvais chemin et qui se sont égarés, que le violet, couleur du repentir et du pardon, leur rappelle qu'il y a toujours une chance de prendre un nouveau départ. Allume une bougie pour la vie. Allume une bougie aujourd'hui. Et vous déposez les bougies sur l'autel. Et nous prions aussi pour vous tous, pour vos familles, pour les malades et les défunts. Seigneur Jésus, tu as coloré non seulement l'arc-en-ciel, mais aussi notre vie, chacune de nos vies. Que cette vie grandisse de plus en plus dans sa diversité, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons célébré le début, l'ouverture de la célébration. À droite, nous avons écouté la parole à gauche et maintenant nous sommes ici à la table, à l'autel que vous allez décorer. Vous cherchez les objets au milieu de l'église et les apporter ici sur la table. Vous avez apporté les fleurs, le cierge de Jésus, le pain, les raisins, le livret de catéchèse, la Bible,
le missel de prière, le chapelet et surtout la patène et le calice pour l'Eucharistie, c'est le plus important. Et vous avez en main les bougies que vous avez décorées. Certains parents vous ont aidé à le faire. Montrez-les bien haut. Je vais les bénir et puis on va les allumer. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde. Notre cœur est parfois triste et sombre. C'est toi qui nous donnes la clarté. Et chaque bougie veut brûler pour nous donner la lumière et la chaleur. Nous chantons « Ouvrir les mains, cueillir la lumière ». Seigneur notre Dieu, comme les apôtres à Jérusalem et les deux amis à Emmaüs, nos enfants de première communion ont préparé la table pour le repas. C'est un don pour une fête en Église. Nous sommes heureux de pouvoir célébrer avec Jésus au milieu de nous ce repas pascal, qu'il s'épanouisse en joie éternel, par lui, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous nous mettons debout.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton esprit d'amour sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. Pendant le dernier repas à Jérusalem, Jésus prit le pain entre ses mains, te remercia, le partagea avec ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Pendant ce repas, il prit aussi la coupe précieuse avec le vin entre ses mains. Il te remercia, la bénissait et la faisait passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Pour ne pas oublier que je suis avec vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons que tu viennes. Père très bon, chaque dimanche depuis 2000 ans, nous faisons mémoire de toi en écoutant ta parole, en célébrant ce repas. Regarde, c'est Jésus qui se donne à nous avec tout son amour. C'est lui qui, par ce sacrifice, nous ouvre le cœur pour toi, pour les autres et pour nous-mêmes. Dieu Père plein de tendresse, donne-nous aussi l'esprit de Jésus, l'esprit d'amour. Fortifie-nous afin que nous tous, peuple de Dieu, avec nos prêtres, nos évêques, notre évêque Jean-Pierre, notre pape François, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais l'amour et la foi. Conduis-les dans ta lumière. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous aussi dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, avec la maman de Jésus, la Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Saint Georges, Saint Adalbert et tous les saints. Nous te prions, nous te glorifions par Jésus, ton Fils, et nous prions ensemble par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, comme les bougies sont autour de cette table fictive ici là devant vous, c'est vous les bougies vivantes. Venez près de l'autel. Et tous nous nous mettons debout pour prier ensemble avec nos gestes la prière de Jésus. Vous faites avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et Jésus qui est venu donner la paix, je vous la fais passer en disant, la paix de Jésus soit toujours avec vous. À la dernière scène et à Emmaüs, ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain, comme ça. Parce que ce n'est pas des hosties qu'on reçoit, c'est Jésus. C'est plus pratique, pas des petites hosties, mais c'est une grande hostie, Jésus qui se donne à chacun. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voilà, et vous faites votre main comme une petite coupe. La main forte, celle avec laquelle vous écrivez en dessous, et l'autre main au-dessus. Et en recevant le corps de Jésus, vous dites « Amen », ça veut dire « Je crois ». Prenez l'hostie avec l'autre main, comme ça, sur le côté. Et nous la recevons. Thank you.
Regarde avec bonté, Seigneur, cette famille chrétienne. Tu es venu nous visiter par ta parole et par Jésus, le pain de vie. Aide-nous de parvenir toujours vers toi, vers les autres et vers nous-mêmes, avec un grand respect, un amour et une paix. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez préparé une petite prière à la maison. Ceux qui le veulent peuvent la prier devant tout le monde. Avancez, et puis vous recevez le micro. Je prie pour mes grands-parents que j'aime beaucoup pour qu'ils soient toujours présents à mes côtés. Moun meches sao moyom logine. Seigneur, aide-moi à bien travailler. Protège tout ce que j'aime. Veille sur nous et guide-moi. Amen. Merci Jésus, parce que tu es toujours là pour nous et nos familles. Car ta main protectrice sur nous en toutes circonstances. Amen. Petit Jésus couvert de fleurs, venez reposer dans mon cœur. Mon cœur est si petit qu'il n'y a place que pour le petit Jésus. Petit Jésus, bénissez les sans-abri, les personnes qui souffrent de maladies. Reste avec nous, Seigneur. Chaque jour, nous avons besoin de quelqu'un qui nous guide, qui nous encourage. Tu es celui-là, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions, reste avec nous. En ce jour de la communion, nous te rendons grâce, éternel Dieu de gloire, à chaque fois que ta fibre recensera devant ta table, qu'elle pense à toi, Jésus-Christ, elle et à la famille chrétienne. Amen. Seigneur, je prie pour le bonheur, pour la lumière, pour l'amour et pour les pauvres pécheurs. Amen. Jésus, nous nous tournons vers toi pour te dire merci de nous avoir donné la vie et te demandons de toujours protéger nos familles et ceux qu'on aime. Seigneur Jésus, je te prie de veiller sur ma famille et mes meilleurs amis. Que tout le monde reste en bonne santé, que le bonheur les accompagne. Merci qu'ils font partie de ma vie. Amen. Vous prenez votre bougie que vous avez décorée et vous l'apportez à vos parents, comme ça vous aurez les mains libres. Nächste Woche ist die Sonderkollekte für die Berufungen in der Kirche. Le week-end prochain, c'est la collecte pour les vocations dans l'Église. Et une des vocations,
C'est ce que Bernadette va vous expliquer. Voilà, chers communiants, enfin votre grande journée est arrivée, la journée de votre communion. Et maintenant, vous pouvez devenir acolyte. Acolyte, c'est quoi ? C'est servir la messe, comme vous voyez mes deux acolytes qui sont là. Servir la messe, ça veut dire préparer la table, tenir des bougies, sonner les cloches et servir à Jésus. Alors si cela vous ferait plaisir et si vous avez envie, vous pouvez venir servir chaque semaine ou bien une fois par mois au moins. Alors vous pouvez contacter Monsieur le curé, les mamans catéchètes ou bien moi-même. Je serai très contente de vous revoir. Oui, merci. Peut-être vous avez remarqué que je porte un ornement avec les disciples d'Emmaüs à la table avec Jésus qui partage le pain. Vous avez reconnu? Et derrière, vous voyez le chemin que Jésus a fait de Jérusalem avec les deux vers Emmaüs. Et sur le chemin, il leur a expliqué beaucoup de choses. Eh bien, c'est ce que je vous mets dans le cœur. Revenez souvent, écoutez la parole de Dieu, priez Jésus. Vous avez reçu le chapelet, vous avez cette petite corde avec les quatre perles. Et puis, à la maison, vous continuez à vivre avec Jésus, hein, ne pas l'oublier. Et nous avons là une dame, une statue. C'est qui ça? Marie, c'est qui Marie? Ah oui, ce n'est pas une star, hein? C'est la maman de Jésus. Eh bien, c'est aussi notre maman. Nous pouvons toujours la prier quand on est un peu fatigué, un peu triste, ou bien pour remercier. Et nous voulons le faire aujourd'hui une fois pour vos familles et surtout pour les défunts aussi. Ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci à vous, les enfants. Vous faites partie des 40 qui ont fait leur communion. Félicitations, vos parents, vos grands-parents, vos parrains. Mais nous n'oublions pas le groupe qui a beaucoup de travail pour vous préparer, les catéchistes. Nous avons des acolytes, les deux qui se lèvent un peu comme ça, vous voyez. Steht mal auf. Ces deux frères qui font ça ensemble, c'est beau ça. Merci. Merci à la chorale qui a beaucoup chanté avec nous maintenant 4 fois. L'organiste, les sacristains, et je n'oublie personne. Ici, les filmeurs, comment est-ce qu'on dit ça? Les journalistes. Et j'ai encore une question, oui. Benoît a proposé de mettre la messe dans YouTube. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre qu'on le montre dans YouTube comme ça? On peut le voir à la maison, pas seulement sur le stick. Tout le monde est d'accord? OK, alors, on va faire ça. On va encore dire un grand merci à Monsieur le curé aussi, parce que lui aussi, il a dû faire 4 messes avec nous. Et puis, il n'a pas que ça, il y a encore d'autres offices à faire. Merci, Monsieur le curé, pour votre service. Voilà. On a même eu en polonais. Hein? Tu as pris en polonais, je n'ai pas compris, alors que je m'appelle Polen. Hein? C'est polonais, mais je ne connais pas la langue. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Avec la main droite, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, les parents et toute la famille va sortir de l'église et vous venez à la sacristie. Bonne fête aujourd'hui, le soleil brille, c'est une belle journée, ne l'oubliez jamais.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous venez avec moi.